Les amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le journal Mitan Généan sur télévision nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là en ce moment pour nous recevoir collaborateur Wilner Polidor pour page météorologique là. Bonsoir Wilner. Nous 17 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique là. Nous sommes à la veille fête du drapeau. Nous souhaitons avec tout le peuple haïtien une bonne fête drapeau. On a vu comment la situation est sous bassin Caraïbes là avec océan Atlantique là. Zone de haute pression nous en ligne renforcée au niveau de l'Atlantique Nord. Et là, généré un alizé. Et là, on parle de un alizé, c'est un vent d'est qui modéré à forte sous plusieurs départements pays aujourd'hui. Et situation ça par rapport avec zone de basse pression nous et zone de haute pression nous, faible gradient de pression pour générer vraiment pour augmenter force vent sous VIA dans ce ça. Nous allons gagner un temps sous pays d'Haïti qui ensoleillé en journée, mais il va venteux non seulement au cours de journée en soirée, même au cours de nuit, parce que le vent est très fort. Et le vent ça va persister non seulement pour aujourd'hui, pour demain, vendredi, pour samedi et dimanche. Cela veut dire que nous avons un bon week-end avec un beau temps, soleil et puis vent qui a venté sous le pays d'Haïti. Et seulement, il y a quelques averses la pluie qui étaient possibles, mais c'est vraiment des averses isolées. Le département concerné, c'est vraiment tout bloc sud qui département de l'Ouest, nous prend Léogane, Grand Gouave, Petit Gouave, zone Carrefour, il est capable de gagner quelques averses isolées, mais sous reste pays, c'est vraiment du beau temps avec vent qui a venté en journée, en soirée, au cours de nuit. Pour capitale avec zone qui a violé, capitale là, on va beau temps avec soleil, avec vent qui a venté, mais sauf que en soirée et au cours de nuit, il y a quelques possibilités pour au sud de Port-au-Prince, il y a quelques averses la pluie, mais c'est vraiment isolé. Par rapport avec brise de mer qui a monté et ensuite vous gagnez réchauffement journée, sous mode nacelle capable de gagner quelques averses, mais c'est vraiment des averses isolées et en soirée au cours de nuit. Mais pour l'ensemble, pour capitale avec zone qui a donné lieu, c'est vraiment beau temps, soleil avec vent, cap soufflé non seulement pour jeudi à demain après demain jusqu'à dimanche. Nous avons une température qui monte jusqu'à 35 degrés, il fait très chaud sous le pays. Et aussi, la nuit, on a descendu à 24 degrés. Et pendant la nuit, on a senti l'effet de chaleur parce que 24 degrés, c'est un peu haut par rapport à la normale. Pour la mer, elle a agité non seulement sous côte sud, mais côte nord, c'est un mec qui a agité à faute parce que zone de haute pression qui soit Atlantique Nord, elle a vraiment renforcé vraiment vague sous côte nord pays d'Haïti. Pour ça, nous avons des capitaines, nous avons précaution, si tout, pour ne pas naviguer au large parce que vraiment la mer a forte sous côte nord pays d'Haïti et golfe de la Gonâve dans la mer qui peut agiter à agiter. Et pour page astronomique, je dis à soirée là, à coucher à 7h18 et la pleuvée demain matin à 6h14. Mesdames, messieurs, merci pour filer tout avec attention. N'a pas croisé lundi pour notre page météorologique. Bon week-end à chacun de vous. Voilà, nous sommes recevoir collaborateur Wilner Polidor qui t'a présenté nos conditions temps l'an pour jeudi. Eh bien, merci Wilner et nous souhaitons passer et un bon après-midi. L'autre information dans le journal là, ministère Affaires sociales, ensemble avec ministère intérieur, collectivité territoriale et puis délégation départementale Ouest, relancé mercredi 16 mai 2018 là. Programme Corepep. Programme ça rentré dans le cadre projet administration Moïse à gouvernement Lafontaine qui visait porter assistance à les gens qui vivent dans une situation économique difficile. Ils ont contredit avec Luinel. Il y a plusieurs dizaines de responsables restaurants communautaires qui étaient présents dans la délégation départementale à l'Ouest pour recevoir provisions alimentaires, tant que du riz, pois, l'huile et l'autre ingrédient qui permettent aux restaurants communautaires de fonctionner. Ministre Affaires sociales là, Stéphanie Auguste, expliquait qu'il y a 100 restaurants communautaires qui l'ouvrent dans le département de l'Ouest là, sur 775 qui ont gagné pour fonctionner dans tout le pays. Pendant, le ministre a demandé pour tout secteur pour coller dans l'avancement du programme. Ça. Vous connaissez que les restaurants communautaires, c'est une sorte d'assistance que nous portons à la population dans différentes zones. Et Jean-Président Jovenel Moïse Mandelan, c'est à travers tous 10 départements yo, pour nous ouvrir au total 775 restaurants communautaires.
nous relancer li parce que c'est une nécessité, c'est une urgence liée, mais d'arrêter mes clairs pour nous connaître que mode de fonctionnement qui était gagné avant, c'est un bagage qui vient faire que budget a trop lourd pour gouvernement. Ça veut dire restaurant yo actuellement nous chita avec prestataire yo pour connaître modalité de fonctionnement pour les cas alléger charge que gouvernement a gagné pour porter comme assistance, c'est en participation communautaire. Jean-Barré a dit là son restaurant communautaire, ça veut dire communauté en côté restaurant, il faut que porter apport par yo, faut que porter participation par yo, faut que porter encouragement par yo tout qui pour à la longue ça nous ta remé faire modèle que nous ta remé que restaurant vini à la fin pour les vin autosuffisant. Directeur général font assistance économique et sociale là, Chartelier Charles Ernest promettre les pral mettre direction régionale institution ça opérationnel yon manière pour permettre supervision régulière faite dans restaurant communautaire pour évaluer qualité et condition moun yo ap manger. Chaque restaurant yo y a gagné yon pancarte devant y a identifié avec le logo, donc pa gen moun k ap ka di ou pa wè restaurant. Et puis nous l'autre bagay ki pi important, nous pral faire tout, nous pral faire suivi et évaluation restaurant yo, parce que suivi a se yon. Mais évaluer les restaurants qui sont potés en plus dans la zone, c'est l'autre bagaille. C'est une raison fait que les travailleurs sociaux qui sont dans le ministère des Affaires sociales, ils vont la pied d'œuvre. Dans le niveau FAES, nous avons des directions qui sont là pour ça. Nous allons mettre des directions à pied d'œuvre tout, pour être capable de faire analyse, pour être capable de voir qui impact les restaurants sur la vie population. Bon, côté PAL, ministre intérieur, collectivité territoriale, Jean-Marie Ronaldo Brunet, quoi est important pour les magistrats, Kazek et Kazek, qui collaborent avec les délégués pour faciliter le service social et arriver plus près à la population. Dans ce cas-là, bien spécifique, côté n'a pas eu de restaurant communautaire, tout le monde qui fait partie de la chaîne, côté que un paquet de monde qui a bien besoin, vraiment qui a nécessité, qui est-ce qui connaît la réalité, ça n'a pas les deux délégués, vice-délégués, magistrats, kazek, azek. Donc dans ce sens, nous-mêmes avons fait une meilleure coordination entre équipe ça pour voir si effectivement côté restaurant placé, côté restaurant, si c'est là le mérité pour lui. De façon à ce que les gens qui ont nécessité vraiment bénéficier de restaurant. Programme ça a rentré dans quatre visions administration Moïse à gouvernement La Fontaine gagné pour améliorer condition la vie population. Merci Lunel à Kevin qui était présent dans le relancement programme Corepep hier mercredi. Pour marquer fête d'incentive qui c'est patron avocat yo samedi 19 mai qui a venu là, Barolod avocat Port-au-Prince lancé une série d'activités sorti 16 pour arriver 19 mai. Parmi activités ça yo, une conférence scientifique qui a déroulé sous thème l'impact de la qualité des décisions de justice sur l'investissement. Pendant 3 jours ça yo, autorité dans appareil judiciaire a bien pour faire débat sur pi bon gouvernance système judiciaire pour permettre gain plus investissement qui fait dans le pays d'Haïti. Nous invitons à suivre un reportage avec Saint-Croix Paki. Faciliter plus investissement local et étranger dans le pays, accompagner entreprises privées dans quatre procédures judiciaires et puis renforcer la justice pour un plus bon climat d'affaires. Ces différents thèmes qu'a bien pour discuter pendant 3 jours dans la Cour cassation sur l'initiative Barolod Avocat Port-au-Prince en collaboration avec différents Barolod qui sortent dans Caroline du Nord, pays États-Unis, à Paris, dans le pays de la France, selon l'explication bâtonnier Lord Avocat Port-au-Prince, M. Stanley Gaston. Les festivités de la CITIM se déroulent sur 4 niveaux, avec des conférences, la finale du concours de plaidoirie, un procès civil, la soirée de gala et la messe traditionnelle. Pour nous, avocats, c'est un moment important de confraternité et d'échange. Pour la corporation, c'est un moment de signifier à tous notre attachement aux valeurs et à notre mission sociale de contribuer au développement économique en œuvrant pour un environnement des affaires sécurisées. Ministre de Justice et de Sécurité publique, là, M. Jean-Roudy Ali, fait connaître l'administration Moïse et le gouvernement La Fontaine prend engagement pour accompagner les investisseurs pour le développement du pays. Pour sécuriser les entreprises et protéger les investissements,
Les acteurs judiciaires ont pour devoir d'œuvrer dans le sens d'une justice de qualité. Dans un effort concerté des juges, des officiers du parquet, des notaires, des arbitres, des greffiers, des huissiers, en passant par les avocats, le défi sera relevé. La bonne gouvernance judiciaire exige la contribution de tous, chacun à son niveau et en ce qui concerne. La mise à jour du savoir juridique, le souci du travail bien fait, l'utilisation des nouvelles technologies, la gestion efficace des dossiers conduisent à coup sûr à moins de défaillances et de dysfonctionnements. Président CSPJA, Jules Cantave, a annoncé gagner un effort qu'a fait pour continuer à renforcer la justice, ça qui permet aux investisseurs de gagner plus confiance dans l'appareil judiciaire. Dans ma qualité de magistrat, je crois fermement, dès que ces différents acteurs jouent leur partition respective avec science et conscience, ça doit être, à n'en pas douter, des prémices au développement du secteur privé, à l'attraction de l'investissement national et étranger, à l'intégration plus accélérée du pays dans l'économie mondiale et, in fine, à l'amorce de développement durable. Barolot, avocat Port-au-Prince, tombe activité sérieux pour marquer fête saintif là, qui se patron avocat, 19 mai, qui vini là. Mary Claude Bouquet en tête collée à Global Communities, Croix-Rouge américaine, UCLBP, à Dinepa, posé premier roche construction et un réservoir de l'eau avec implémentation et un réseau addiction de l'eau potable dans la zone Canaan, mercredi 16 mai 2018. Là. Travail a commencé semaine ça grâce à support financier Croix-Rouge américaine. Richard Saint-Jourdan, Abdino Plis, dans le reportage. Projet ça a gain comme objectif améliorer accès service approvisionnement de l'eau potable à assainissement dans Canaan. Dans sens ça, responsable yo posé premier roche construction réservoir qui vise produire et puis distribuer une quantité de l'eau à travers un système alimentation y a bien pour installer en faveur moun zone là. Projet réseau d'eau potable ça c'est dans même cadre ça nous venons ici pour nous faire pose pierre première pierre et projet. Mais dans l'objectif nous avons gagné dans quatre programmes, nous dit peuple canarin. Ça c'est un petit bagage dans ça nous te promettre. Nous connaissons nous gagné l'école n'a fait l'école communale mais nous commencer dans route là. C'est direction nationale d'eau potable Dinepa à Global Community qui est là pour contrôler le travail dans le cadre du projet création système addiction de l'eau potable et assainissement dans le Canaan. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, et représentant Global Community, Michelet Maxime, salue le projet ça qui va aider dans l'amélioration de la zone dans les affaires de l'eau potable. C'est le premier pas qui décide la marche. Eh bien, on a fait ensemble. Au nom du gouvernement, Jacques Guy Lafontaine et son Excellence Jovenel Moïse, comme président de la République, donc on va faire d'autres pas pour faire en sorte que l'accès à l'eau potable au niveau de la population de Canaan, eh bien, augmente de période en période. Projet a gagné plusieurs activités là-dedans. Je vais dire, la première activité qui a été lancée, c'est une grande étude qui a été lancée sur Canaan, qui te permet que nous, avec Dinepa, identifier qui côté de l'eau disponible pour de l'eau qui arrive à Canaan. C'est ça qui fait que nous allons construire un forage étant cyber sur route E9 là. Et puis, projet a tout lié à la construction d'un réseau de conduite qui est environ 7500 m3 de tuyaux. Et puis, nous avons construit un réservoir. On a dit un premier réservoir qui a une capacité de 500 m3 d'eau. Représentant Croix-Rouge américaine en Haïti, Chantal Sylvie Imbol, quoi, projet ça a une pile importance pour les gens qui vivent dans le Canaan. Ce projet qui porte une importance vraiment capitale pour la zone, compte tenu que jusqu'à présent, il n'y a pas de source d'eau. Donc, ce projet
La Croix-Rouge haïtienne et la Croix-Rouge américaine, on y tient beaucoup. Et je voulais remercier sincèrement la DINEPA pour toute cette collaboration qu'on a eue pour faire le suivi des approbations, de donner des approbations pour les designs du projet. Le projet ça a duré 5 mois grâce à financement Croix-Rouge américaine pour un valeur de 1 million de dollars américains. Merci Richardson ak Michaud. L'autre dossier dans le journal sa Fondation haïtienne diabète ak maladie cardiovasculaire FADIMAC annoncé yon ensemble activité pour marquer journée mondiale hypertension jeudi 17 mai. Parmi activité sa yo gagne test gratis, rassemblement pour faire sensibilisation. Responsable yo a organisé yon journée sous thème chache kon intention. Falan Delphin dans un reportage. Bon mar état dément, tiè silencieux, c'est différents noms qui utilisés pour décrire hypertension artérielle qui c'est première cause pathologie, insuffisance rénale, éclampsie, accident cérébrovasculaire. D'après plusieurs rapports mondiaux, majorité moun qui souffre maladie si là, pas de jambe au courant à cause de pas de gain aucun symptôme. Symptômes ça yo qui ka varier selon anatomie patient, vini soit après consommation en pile sel, ak manque consommation fruits ak légumes, d'après docteur Roger Jean-Charles, président Centre haïtien hypertension. Meilleure façon pour un monde bien connaître pour pas souffrir tension, c'est depuis un monde passé l'âge de 18 ans, c'est aller chez le docteur faire prendre tension, parce que autrement c'est malheur pendier, surtout pour haïtien, parce que haïtien ont tendance normale pour faire tension. Pour qui ça, c'est parce que les haïtiens c'est négligé. Et maladie tension vient de plus qu'aille nègre, d'origine africaine, et parce que haïtien mange trop sel. Haïtien mange 30 jusqu'à 35 grammes de sel dans la diète. Donc, avec ce que ça fait, haïtien a tendance pour faire attention. Et puis, non seulement ça mange trop sel, et ne pas manger suffisamment de légumes avec fruits, parce que pas même manger légumes avec fruits. Et parce que les légumes avec fruits eux-mêmes, ils gagnent les légumes verts, les tuches, choux, cochon, voilà comme ça. Et eux-mêmes, ils gagnent potassium là-dedans. Alors potassium, non, c'est une substance naturelle normale qui a tendance pour faire attention à baisser. Tandis que celle-là même que vous venez par exemple dans cubio en pile et que mon utilisé pour faire manger. Alors eux-mêmes, ils gagnent en pile sodium là-dedans. Alors c'est sodium là qui fait. Il fait attention à monter. Directrice exécutive FADIMAC, la docteur Nancy Chol Loco, invite tout le monde à passer consulter dans n'importe clinique pour faire l'hypertension artérielle. Il dit qu'il marche côte à côte avec maladie de stroke, obésité et diabète. Nous allons organiser demain, 17 mai, une journée de 8h du matin à 2h de l'après-midi côté n'importe qui monde capable venir contrôler tension yo gratis. Et ça li extrêmement important parce que en pile nan nous gen doit pas connaître que nous hypertendu. Donc depuis que nous gen moi même te dit 30 ans mais docteur Jean-Charles parlait de 18 ans. Donc depuis que nous gen 18 ans, nous gen intérêt passer contrôler tension si nous pas capable côté ça yo pour nan nan centre sous côté bon côté nous. Journée mondiale hypertension est célébrée pour première fois dans l'année 2005 pour communiquer mode prévention et traitement maladie ça. Dans l'année 2025, chercheurs prévoient 1 milliard 56 millions de monde à priver atteindre maladie hypertension artérielle. Étude FADIMAC a démontré pays d'Haïti gagne 2 millions de monde qui touché à maladie si là. Chercher qu'on intention c'est sous thème ça FADIMAC a célébré jeudi à journée mondiale hypertension. Distribution appareil pour mettre courant la caïmoun ka vive dans zone reculée dans pays a continuer fait course li dans cadre d'un programme ça président Jovenel Moïse mette campé 500 familles dans localité Pascataboa 8e section Baie des Moustiques commune Jean Rabel bénéficier appareil pendant week-end passé a pour éclairer la caillou. Un reportage ak Anne Marguerite Auguste. C'est un objectif égalité sociale là côté tout le monde doit bénéficier même service. Président République là Jovenel Moïse a mis sous pied programme ça pour permettre même famille qui pas espérer en poule le mais la caillou même gens à tout le monde qui vivent dans grand ville yo bénéficiaire yo remercier chef l'état pour engagement ça qui fait yo sentir dans société ya. Yo expliquer la décision autorité yo qu'on apprend en temps passé yo même leur grand ville yo té kon fin bénéficier c'est avec difficulté pour yon tirer
presse te rive joine yo. Accompagnement ça a prouvé yo participer dans toute décision équipe en place là a prend pour améliorer condition vie population haïtienne nan. Moun sa yo ki passe pi fò vi yo nan Fenwa, remercie président Jovenel Moïse ki bay petit yo possibilité étudier nan lumière, kap encourager yo pi plus toujours nan éducation y a bay ti moun yo. Président Jovenel, moi félicite pour bel travail ça y fait, nous dit merci, nous rendez année prochaine encore la plus toujours. Remercie l'état qui m'a vivre bien à ce là parce qu'il veut lumière pour moi. On t'a dormi dans fait noir qu'on y a et dans lit on va dormir. Remercie l'état. On pas avant en premier commencement pas jamais aucune activité que qu'on marche. C'est pendant et mouvement Jovenel là c'est ça nous même nous vinn jeune amélioration c'est peut-être ça moi m'ta goumé en pile parce que m'te dit m'gran pile avenir nous ka jeune dans Jovenel parce que c'est mon nord-ouest lié c'est un gros pas président république l'a fait l'elle permet en poule l'humain kaisi layo qui pas espéré ça député Jean Rabel l'a fait connait système éclairage ça pour augmenter imagination moun sa yo et puis permettre yo prendre décision pour changer condition y a vivre. Parlementaire a profité à attirer attention autorité concernée sous mauvais état route qui menait dans l'autre commune en dans département. Journée aujourd'hui am capable bravo pour programme ça. Programme kay pa m'kéré parce que m'te besoin paysan, li sorti dans disparité ça, côté ce ti moun la ville seulement qui gien droit à éclairage, ti moun section communale pa droit à éclairage. Journée aujourd'hui gouvernement Moïse Lafontan font gros point lorsque il fait eh bien moun section communale là et bien, il y a un droit à éclairage tout. Décision pour les gens qui vivent dans la section communale au courant fait partie du troisième axe programme énergétique administration président Jovenel Moïse. Là. Directeur général Agence nationale pour sécurité énergétique, là, Evenson Calixte, expliquait kit individuel ça, c'est pour permettre les gens qui vivent dans la zone qui va disposer d'infrastructures courant bénéficier courant la caillou. Li annoncé pays a disposé 10 réseaux pour bail courant puis Goa c'est Port-au-Prince qui gagne 400 MW. DG annoncé a dit gagne appel d'offres qui déjà lancé pour investisseurs qui intéressés dans domaine là qu'a vienne investir. Pays a divisé en 10 réseaux qui dans région yo puis Goa et c'est Port-au-Prince qui gagne une demande de 400 MW. Moi-même, en fait, Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, qui c'est Habit Secteur, qui c'est Autorité de régulation, ou Balantino annoncé, fait lancer un appel à manifestation d'intérêt. Côté nous inviter tout le monde qui est intéressé, venir investir dans le secteur de l'énergie. Et nous avons fait ça. Nous avons fait gagner et pour être capable d'investir dans la production, être capable d'investir dans la distribution. Yo ka investi nan consommation. Énergie c'est un point fort développement durable yon pays. D'après directeur général ANACEA, permettre courant rive kay moun ka vive nan section communale yo, c'est ba yo possibilité pour participer nan jefò ka fait pour renforcer économie pays a. Voilà, j'entends suivre le programme Kaipam Cléria continue à faire route li. Jean-président public là, Jovenel Moïse, te promet ça. L'autre nouvelle, le ministre Affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste, lancé mercredi 16 mai, consultation interministérielle pour élaboration yon politique nationale protection et promotion sociale. Activité sa fête en présence représentant différents ministères et entités qui fait partie de la sectorielle promotion sociale là, tant coup, ministère Affaires sociales, ministère intérieur, ministère économie et finance, ministère planification, ministère éducation nationale, ministère santé publique, ministère justice et bureau sécurité d'État pour intégration moun handicapé. Yon kontrandi à Rachel Saint-Fort. Consulter différents ministères qui impliquent dans la protection et promotion sociale pour élaborer un document politique nationale protection et promotion sociale qui permet l'État de bien accompagner la population, permettre aux citoyens autonomes de répondre à la responsabilité. C'est le principal objectif. Journée consultation, ça, ministre Affaires sociales et travail lancé jeudi. Activité ça est occasion pour représentants divers ministères concernés réagir sous vision, principe directeur et orientation. À partir d'un premier document, plusieurs cadres dans divers ministères produits sous protection et promotion sociale dans le pays. Cette démarche d'élaborer une politique de protection et de promotion sociale trouve son sens et sa direction en droite ligne des engagements pris par l'administration Moïse Lafontan de faire d'Haïti un pays émergent d'ici 2030. En effet,
Nous souhaitons au prime abord que cette politique puisse poser les jalons d'une visée globale et à long terme de la protection et la promotion sociale dans le pays, cadrant et assurant par là une obligation durable de l'État à servir et protéger socialement ses citoyens, conformément à la Constitution et aux objectifs définis par le plan stratégique de développement d'Haïti. La transparence, la participation et l'inclusion, voilà en bout de ligne les valeurs que défend ce processus ambitieux dans ses tenants et aboutissants. Et c'est la raison pour laquelle les ministères concernés par la thématique en cours doivent dire leurs mots sur la vision, les principes directeurs et les orientations qu'ils voudraient voir figurer dans la présente politique de protection et de promotion sociale. Représentant plusieurs entités qui membre table sectorielle protection sociale là, tant que ministère justice et sécurité publique, ministère santé publique et population et secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, expliquer à papier démarche ça qui visait définir mécanisme qui permet l'État accompagner population en assurer moun qui dans pauvreté extrême jeune assistance jusqu'à ce qu'il arrive productif et puis faire face à responsabilité yo envers famille yo. Journée consultation interministérielle ça, c'est première étape dans démarche consultation différents ministères concernés pour rédiger un document sur orientation gouvernement dans protection et promotion sociale cap gain pour soumettre dans conseil des ministres pour validation dans mois qui venir là selon responsable yo. Merci Rachel ak Robert. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal là. Pas déplacé, n'a pas tourné tout de suite après. Nous retournons pour la deuxième partie du journal là. Merci pour la fidélité ou attention. Dans le pays l'autre bord de l'eau, sommet Balkan yo l'ouvri dans Sofia, dans le pays Bulgarie, jeudi 17 mai 2018 là. Dans le cadre sommet ça, 27 pays membres Union an, sauf Espagne qui pas présent, promettent y apprêter dans l'accord 2015 sur nucléaire iranien. Nous invitons à suivre un reportage. Ouverti sommet européen Balkan yo déroulé dans Sofia qui c'est capitale pays Bulgarie, jeudi 17 mai 2018 là. Dans la discussion, le retrait président Trump dans l'accord nucléaire 2015 dans l'Iran et les tarifs douaniers. Objectif sommet, c'est renforcer les liens Union européenne avec les Balkans, mais plus dans le domaine investissement. 27 pays membres, en absence de dirigeants espagnols qui ne reconnaissent pas Kosovo, promettent une autre fois à prêter dans l'accord 2015 sur le nucléaire iranien, tout pendant qu'ils conduit des négociations avec l'Iran sur divers sujets, tant que missiles balistiques. 73% investissement étrangers direct dans la région a joint soucieux dans l'Union européenne. Dans le dossier sport sélectionné haïtien en Marcola, dévoilé hier mercredi 16 mai 2018, là, Lisvin des Grenadiers qui pourra le rencontrer Argentine mardi 29 mai. Et puis à l'étranger, basketball NBA, Houston Rockets égalisé à Golden State Warriors 1-1 après victoire 127-102 hier au soir dans Toyota Center.